Le nouvel album que je vais lancer s'intitule Grand Frère Jésus-Christ. Grand Frère Jésus comporte sept titres. Il y a Grand Frère Jésus-Christ qui est le premier titre. Il y a Angela qui est le deuxième. Il y a Forteresse qui est le troisième. Il y a Sous les ailes de l'Éternel qui est le quatrième. Il y a Merci qui est le cinquième. Il y a Ophélie qui est le sixième. Et puis il y a une compilation comme ça de quatre chansons. C'est parce que ce titre exprime à la fois deux choses. Premièrement, c'est une adoration parce que le contenu de la chanson me dit que c'est un héros. Et le deuxième aspect de la chanson, c'est que ça exprime aussi la gratitude. Comme je voulais rendre grâce à Dieu, je voulais lui dire merci. Alors je suis tombé sur ce chant pour pouvoir exprimer ce que veut dire l'album en général. Le message clé, c'est une adoration, c'est une reconnaissance, une gratitude que je vais présenter au Seigneur et une élévation, une célébration de son nom. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre-là principal, Grand Frère Jésus, parce que ça exprime à la fois les deux. Grand Frère Jésus, c'est mon quatrième album, mais en solo, c'est mon troisième album. Disons que j'ai sorti un premier album, Livre de souvenirs, en 2008, et le deuxième, c'était en 2012, Sur les traces des pas avec Frère Joseph Abel et Frère Goël Mapoko. Et le troisième, El Shaddai, c'est en 2016. Et puis après, j'ai fait comment on appelle, un maxi-single. C'est un maxi-single de cinq chansons. Je l'ai intitulé Dans l'invisible. C'était en 2019. Et aujourd'hui, en 2022, nous présentons Grand Frère Jésus-Christ. Bon, ça sera certainement vers la fin de ce mois, Dieu voulant. La date n'est pas exactement connue parce que ce sont les plateformes de distribution en ligne qui vont nous donner, qui vont nous communiquer la date et puis nous allons communiquer au grand public. Mais déjà, nous pouvons prévoir la sortie du clip promotionnel pour ce 17 novembre. Et puis après, toutes les chansons seront disponibles en ligne vers la fin du mois. Les audios seront sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Donc, on va mettre sur TuneCore et ça sera disponible sur iTunes, sur Amazon, Spotify, ainsi de suite. Mais le clip sera disponible sur la chaîne Neville Canono officielle, qui sera un produit de Sekele Yamotema Mindoulé. À quoi est-ce que je peux m'attendre? Je m'attends à ce que les enfants de Dieu adorent Dieu au travers de ses œuvres. Je m'attends à ce que Dieu déverse sa grâce sur ses enfants. Je m'attends à ce que Dieu bénisse les maisons de ses enfants. Je m'attends à ce qu'une communion parfaite soit établie entre Dieu et ses enfants au travers de ses inspirations. Bref, je m'attends à beaucoup de choses parce que c'est l'expression de mon cœur. C'est un album que j'ai chanté vraiment avec mon cœur. Je me suis exprimé voulant que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de ses enfants. Bon, d'abord, la première promotion, c'est Dieu qui touche le cœur. Je pense que nous avons consacré cet album à Dieu, nous l'avons dédié au Seigneur. Le Seigneur travaillera avec cet album à sa manière parce que, vous savez, pour l'album El Shaddai, je n'ai jamais fait des promotions. Je n'ai jamais fait des promotions. Donc le Saint-Esprit lui-même l'a amené dans le cœur de ses enfants. Mais aussi, comme tout humain et comme tout technicien, nous devons faire notre part. Nous avons enregistré l'album et nous allons le disposer dans toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Nous allons mettre sur Internet, donc sur YouTube, sur Instagram. Et pour déjà atteindre le plus grand nombre de personnes
à travers le monde. Et je pense que les restes, c'est à la charge du Seigneur. C'est lui-même qui sait jusqu'où il amènera cette œuvre. Nous nous abandonnons à lui. Il y a eu une conférence dans le ciel qui pouvait sauver l'honneur de la famille. Grand frère Jésus-Christ, héros. Grand frère Jésus-Christ, il a pris notre place. Grand frère Jésus-Christ, le seul qui fut tout bénir. Grand frère Jésus-Christ, il a pris notre place. Grand frère Jésus-Christ, notre Goël, notre rédempteur. Grand frère Jésus-Christ, qui portait le nom de notre Père,